Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière joueur au Borussia Dortmund. Aujourd'hui nous allons jouer 5 matchs, 4 matchs en équipe de France avec le Borussia Dortmund et 1 en équipe de France. Donc nous allons jouer le match contre, nous allons affronter le Schalke 04, l'Union Berlin, Hoffenheim. Et nous allons jouer un match de qualification pour l'Euro 2020 avec la France face à la Roumanie. Et nous allons jouer aussi le match contre Augsbourg. Voilà, on va faire un petit récap. Car dans l'épisode précédent, pour ceux qui regardent et qui n'ont pas pu regarder l'épisode précédent, on a été sélectionné en équipe de France pour la toute première fois. Et on a changé de club, on est au Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui on est titulaire, on va jouer en tant que numéro 9. Voilà, dans l'épisode précédent c'était bien commencé, 3 magnifiques buts, c'était vraiment extraordinaire. Là nous allons jouer sur un 4-3-3, je vais jouer en pointe, voilà, tranquille, et avec Royce et Brent qui vont sur les côtés. Gelaska, que vous connaissez déjà, carrière manager au Parme FC. Mario Götze, Witzel, Matt Morey, Achraf Hakimi, Hummels et Hilton en défense. Et dans les cages, nous avons Burki. Donc, notre adversaire va jouer sur un 4-4-2. Non, 3-2-5. Un 3-5-2. Voilà, je dis n'importe quoi. Ils vont jouer avec 3 défenseurs, 5 un milieu défensif, 2 milieux latéraux et 2 milieux offensifs et 2 attaquants. Ils sont classés à la 13e place et nous, on est classé à la première place avec 9 points. Aujourd'hui, on va essayer de gagner ce match. C'est parti pour notre premier match face au Schalke 04.
il frappe. Comme vous avez pu voir, le match contre le Schalke 04 a été un match à sens unique car nous avons remporté notre match très facilement sur un score de 5-0, d'où mon joueur, d'où on a réussi à marquer 4 buts. Nous avons réalisé un quadruplé, notre tout premier quadruplé. On a fait au-delà d'un triplé. Je pense que le changement du club a vraiment été très très utile. Maintenant, nous allons enchaîner face à l'Union Berlin qui va jouer sur un 4-3-3. Ils sont classés à la 6e place. On va essayer. Je pense que c'est sûr qu'on va remporter notre match. Mais vaut mieux faire attention. Donc voilà, vaut mieux prendre nos précautions. Et sur ça, maintenant on est toujours premier avec 12 points. Voilà, et niveau buteur, je suis premier avec 7 buts. Voilà, 7 buts. Donc je pense qu'il pourra marquer même plus lors du match face à l'Union Berlin. Donc c'est parti face à l'Union Berlin et on va essayer de remporter ce match et pour nous assurer la première place. Thank you.
de la table. Attention, c'est parti très vite. Allez, ça doit faire but. Frappez maintenant. Il a dégagé le ballon au corner. Deuxième poteau. Oh, c'était une belle occasion. Bon ballon. Il va frapper. Le cadre se démode. Mais alors largement. Richardson. C'était bien essayé. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Encore une fois, les amis, nous avons été décisifs lors de ce match. Et nous avons réussi à dépasser la barre des 50 buts en club. C'est vraiment... Non, pas encore. Il nous reste... Ah ben si, on a dépassé la barre des 50 buts. Plus les 2 buts en sélection, nous sommes maintenant, on va dire, à 51 buts dans toute notre carrière. Voilà, dans notre carrière, on est actuellement à 52 buts, 49 en club et 2 en sélection. On a dépassé la barre des 40 buts. On est maintenant à 51 buts en dans notre carrière en comptant les buts en club et en sélection. On a marqué 49 en sélection et 2 en sélection, donc ça nous fait un total de 51 buts. Nous avons dépassé, comme il le dit, nous avons dépassé la barre de 50 buts. Maintenant, on va viser la barre de 100 buts. En club, là, encore dans notre carrière, on a réussi à dépasser la barre de 50 buts en carrière. Et maintenant, on est notre leader du championnat avec un total de 10 buts, car nous avons encore été décisifs sur un triplé. Et encore une fois, nous avons été élu homme du match 3 fois de suite, homme du match. Donc c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, nous allons jouer contre Hoffenheim, qui va jouer sur un 3-5-2. Ils sont classés à la 11e place. Et encore une fois, nous allons devoir travailler. Peut-être, encore une fois, nous allons être décisifs. Allez, c'est parti.
peut faire des dégâts même à cette distance. Mais pas là. Un nouveau centre peut-être. De la tête, cette tentative. Oh, manque de concentration là, c'est loin du cadre. Ouverture. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Après avoir été un excellent buteur, on devient un excellent passeur car dans ce match, nous avons réalisé 2 passes décisives. Maintenant, on est à 3 passes décisives avec le Borussia Dortmund. Et nous avons amélioré et nous avons gagné quelques points dans nos stats. Je pense que là, pour le moment, ce sont des stats stables. Pour un joueur de notre niveau et à notre âge. Maintenant, nous allons jouer notre match, notre troisième match de qualification avec la France face à la Roumanie. On va essayer de nous qualifier pour l'équipe de France. Donc, on va jouer contre la Roumanie qui va jouer sur un 4-5-1. C'est une formation que je connais beaucoup car je l'ai joué à maintes reprises au Toulouse FC. Petit résumé dans le groupe qualifié, dans notre groupe pour les phases qualificatives pour l'Euro. Donc nous sommes premiers avec 2 victoires, 5 buts avec 5 buts au total pour 6 points, 0 défaite. Normal, on est à 2 matchs. La Roumanie qui est deuxième derrière nous avec un total de 4 points. Une victoire, un match nul, 3 buts marqués, 2 encaissés. L'Hongrie qui est troisième place avec 1 point. Et le Pays de Galles, dernier avec 2 défaites, 0 point, avec 5 buts encaissés, 1 but marqué. Donc, je pense que la Hongrie va jouer contre le Pays de Galles. Donc, si on bat la Roumanie, je pense que la Roumanie va passer deuxième, troisième, si entre une des deux équipes gagne. Donc là, on va jouer. Voici l'équipe qui va jouer face à, voilà, à la Roumanie. Donc en attaque, ce sera moi et Mbappé. En milieu de terrain, nous aurons Fekir, Morgan Sanson, Paul Pogba, Yann Thiago. Et en défense, Théo Hernandez, Benjamin Pavard, Upamecano et Raphaël Varane. Donc, allons chercher 7 victoires en équipe de France pour assurer notre première place dans les groupes éliminatoires face à la Roumanie. Et oui, du score. Thank you.
et du mouvement dans la surface. Et c'est un, pour le moment, c'est une réussite. Pour le moment, on a été le joueur le plus décisif en équipe de France, qu'on soit en équipe de France ou en club ou en sélection. Pour le moment, nous sommes le joueur le plus décisif. On a été l'homme du match face entre. On a été homme et l'homme du match. On a marqué un doublé. Voilà, donc maintenant, c'est une qualification. Je pense que suite à ça, c'est une qualification assurée. 8 et 9 points. C'est un 3-3 pour le moment. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 7 buts marqués, 0 encaissés. Donc, le Pays de Galles qui a gagné son match face à l'Hongrie. 1-0, donc il passe à la quatrième place, à la troisième place, et voilà. Et je pense que là, pour le moment, on est en tant que classement meilleur buteur dans les phases qualificatives. On est meilleur buteur avec 4 buts marqués. Donc, nous allons jouer les derniers matchs de la vidéo. Ce sera un match de championnat face au FC Augsbourg, voilà, qui vont jouer sur un 3-4-3, qui sont classés à la 10, sont avant-dernier, donc à la 18e place. On va essayer de remporter, mais je suis sûr qu'on va remporter le match, parce que pour le moment, on est sur des 4 victoires consécutives, donc on va essayer de continuer sur cette montée. Je pense que ce sera facile pour le montage. Voilà. La contrée, je suis devant lui. Il prend sa chance. Encore, il peut frapper.
tellement gris, j'ai toujours fait plus que 100 balles. Wow. Gabriel Barbosa, Gabigol. Et encore une fois, on enregistre une victoire, 5e victoire consécutive. On remporte le match face à Osborne, 3-0. Vous avez sûrement vu mes 2 buts. Le 3e but, c'est normal, je ne l'ai pas enregistré car j'ai seulement enregistré mes parties où je suis seulement sur le terrain. Il lui reste, dès que je suis sur le terrain, j'arrête l'enregistrement. C'est Marco Reus qui a marqué le 3e but, dont victoire pour le Borussia Dortmund, 3-0 face à Osborne. Maintenant, on va faire un petit résumé au classement. Nous avons joué nos 4 matchs de championnat. On les a remportés. On est maintenant à la première place. 20 avec 21 points. 21 buts marqués, 2 buts encaissés. Derrière nous, nous avons le Bayern Munich, c'est logique. 19 points, 6 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Pour un total de 12 buts marqués et 6 buts encaissés. Et niveau meilleur buteur, je pense pas que quelqu'un pourra nous détrôner pour le moment, vu comment on joue. C'est sûr que peut-être. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que moi, je pense que si j'en continue sur cette lancée, on pourra terminer meilleur buteur, même qui sait, champion d'Allemagne. Donc là, on est à 12 buts marqués pour un total de 9 matchs, 8 matchs joués en championnat. Et niveau passe décisif, on est à la deuxième, on est à la troisième place niveau passeur décisif. Donc on est classé à la troisième place si on continue à jouer avec notre équipe. On pourra même continuer sur cette lancée. Sur ce, les amis, si cet épisode vous aura plu, on se dit très vite pour la suite de la carrière joueur et pour la suite de la carrière manager avec le FC Barcelone. Sur ce, les amis, ciao!